super bien. Moi, je vais vous présenter mon petit setup là, avec deux écrans, mon petit PC et tout. Tout ce qu'il faut, ma petite chaise et tout. Je vais tout vous présenter comme ça dans les détails tout de suite. Bon, les gars, voilà, bah, je vais direct commencer par ma chaise, mais je suis déjà dessus. Donc, c'est Nitro Concept blanche et noire, voilà, comme ça. Un petit autocollant. Yamaha qui me sert principalement jouer aux jeux, tous les jeux, parce que c'est un écran gaming qui a un temps de réaction de 1 ms. Voilà pour cet écran. L'autre écran, c'est un écran Samsung normal, voilà, qui me sert principalement pour le PC. Mon petit PC, tiens, en parlant, bah, c'est un PC ancien. Bon, c'est un PC qui a servi à mon frère auparavant. Bon, là mon clavier. Ma petite manette où je joue au jeu avec les petits contrôles fric. Vous avez mon petit casque AS340 que vous allez retrouver aussi dans la description si vous le voulez. Il sera dans la description, voilà, comme ça. Donc là le mixant aussi, voilà. Là, la petite caméra Logitech, donc aussi, je pense qu'elle sera dans la description. Là aussi un petit micro, c'est un Ona, voilà. Il y a le petit Avermedia qui me sert à enregistrer des fois quand vous voyez des gameplays de moi. Petit disque dur qui va avec. Et une petite télécommande où ça va vous intriguer. Comme vous avez vu depuis le début, il y a des lumières. Bah, c'est des LED où dessus, bah, là, plein de petits, il y a une petite télécommande avec plein de petites couleurs. Par exemple, je vais en mettre une, par exemple, on va mettre le rouge. Et du coup ça change de couleur, du coup pour moi ça peut être stylé pour les petits, quand tu joues, quand tu fais des streams, ça peut être pas mal. Et donc voilà mon petit Strike qui me sert à jouer à Call of et tout. Tiens à préciser, bon voilà, ça c'est ça vient de Steel Gamer, donc si vous retrouvez tous les trucs que je vous ai présentés avant Steel Gamer, là, le casque, l'écran, la chaise et donc le Strike Pack. Bon voilà, je vous enlève le micro pour vous montrer quelques jeux. Par exemple, je joue de temps en temps, bah voilà, à Black Ops 3, normal. Après, bah à FIFA de temps en temps. Après, bah comme vous voyez sur l'écran, la Fortnite. Et après, mes World War 2, vous pouvez pas le voir s'il est installé sur ma PS4 qui est donc ici. Là, je voulais pas montrer avec quelques petits autocollants burn controller. Et donc voilà les gars, je vous ai montré mon petit setup, enfin voilà, je vous ai présenté mon petit setup, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller dans la description pour voir quelques produits, j'espère que ça vous aura plu, lâchez un petit pouce bleu et des commentaires, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Romain, et puis tout le monde. Bon voilà les potes, j'espère que la petite présentation du setup de mon petit frère vous aura plu. J'ai trouvé ça intéressant que ce soit lui qui propose justement cette vidéo, que ce soit lui qui la fasse de A à Z, histoire qu'en gros il se rende compte un peu le travail qu'a un youtubeur, tout ça, et puis que c'est son setup qu'il présente. Donc voilà, donc vous pouvez voir qu'en plus il connaît assez bien son setup. Et je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de pouces verts. Non, des pouces bleus, voilà, sur la vidéo. Franchement, ça ferait vraiment super plaisir. Et mettez-moi aussi en commentaire si ça vous a plu, le fait que ce soit lui qui commente tout ça. Et puis, voilà, si vous mettez pas mal de commentaires comme ça, peut-être qu'un jour, d'ici je sais pas combien de temps, peut-être que mon petit frère aura l'occasion lui aussi de faire des vidéos. Donc ça, je vous en dis pas plus. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous aura kiffé. C'était Goss et Tizay. Allez, peace.